La Bible n'a pas précédé le Coran. Je répète, et j'assume et je pèse mes mots. La Bible n'a pas précédé le Coran, mais c'est plutôt l'Injil, l'Évangile révélé à Isa alayhi salam qui a précédé le Coran. Et certains viennent encore dire, ah oui, bon ok, quand vous dites que c'est l'Évangile qui a précédé le Coran et non la Bible, bon, montrez-nous l'Évangile aujourd'hui. Où est l'Évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam? La sourate 2, verset 75 vous a répondu en disant que les gens du livre ont falsifié la parole d'Allah sciemment. On falsifiait une partie de la parole d'Allah sciemment révélée au prophète avant Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et Jésus l'avait déjà prophétisé dans l'évangile de Matthieu. L'ennemi viendra semer l'ivraie dans le champ de blé. Donc, même Jésus lui-même avait déjà prophétisé que la parole qu'il enseigne serait falsifiée après son départ. Pourquoi nous disons que la Bible n'est pas cet évangile-là? D'abord, quand on parle de Bible, même chez les chrétiens, ils seront d'accord avec nous. Les théologiens chrétiens, les vrais pasteurs savent que la Bible vient du mot ta biblia en grec qui veut dire bibliothèque. Donc, beaucoup de livres rassemblés. Et donc, la Bible est divisée en deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament encore est divisé, lui seul encore est divisé en trois grandes parties qu'on appelle le Tanakh. Le Tanakh, la première partie, c'est la Torah. La Torah qui est composée de cinq livres, appelés en d'autres termes le Pentateuch, le livre de la Genèse, de l'Exode, de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome. Voici les cinq livres qui forment le Pentateuch dans l'Ancien Testament. Et donc, la deuxième partie du Tanakh, c'est les Nevi'im, les livres des prophètes dans l'Ancien Testament, comme les livres de Jérémie, les livres d'Ézéchiel, les livres d'Ésaïe, les livres des prophètes. Et après la troisième partie donc, du Tanakh, on a les Ketuvim, les livres historiques, les récits, etc. etc. Donc voici comment l'Ancien Testament est divisé en trois grandes parties. La Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Et là, vous verrez beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Mais quand vous venez encore dans le Nouveau Testament, lui aussi, il est subdivisé en plusieurs. Il y a d'abord quatre évangiles canoniques. Quatre évangiles. Alors que le Coran ne parle que d'un évangile. L'évangile et non les évangiles. Alors que déjà dans le Nouveau Testament, il y a eu quatre évangiles qui ont été retenus par l'Église. Mais ça, c'est ce qui a été retenu. Sinon, il y a encore plus de 80 et quelques évangiles qui ont été considérés comme apocryphes. L'évangile de Marie, l'évangile de Thomas, l'évangile de Jésus, l'évangile de Barnabé, il y a l'évangile de plein. Il y a plein d'évangiles qui ont été considérés par l'Église comme des évangiles apocryphes. Mais il y a eu quatre évangiles canoniques qui ont été retenus pour mettre dans le Nouveau Testament. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Et après ces quatre évangiles, vous verrez les actes des apôtres. Après ça, vous verrez maintenant les épîtres de Paul, hein, les lettres de Paul. Vous verrez les épîtres de Pierre, de Jean, hein, de Jacques, etc., etc. Donc tout ça, c'est une grande bibliothèque depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Des livres écrits par les êtres humains. L'évangile de Luc, Luc chapitre 1, verset 1, Luc même te dit que lui, il a fait des recherches auprès des gens et il a mis toutes ces informations qu'il a pu recevoir des gens par écrit. C'est ce qui a formé lui son évangile. Ça n'a rien à voir avec une révélation de Dieu. Et aujourd'hui, les grands théologiens chrétiens sont unanimes que effectivement, la Bible a plus de 40 auteurs. Je répète, la Bible a plus de 40 auteurs qui l'ont écrite dans l'espace et dans le temps. La Bible a été écrite par plus de 40 auteurs qui l'ont rédigée dans l'espace et dans le temps. Donc quand Allah dit que le Coran est venu confirmer les livres révélés avant, il ne parle pas de la Bible. La Torah qui a été révélée à Moussa, le Zabur qui a été révélé à Daoud alayhi salam, l'Injil qui a été révélé à Isa alayhi salam, voici ces livres-là qui sont reconnus que le Coran vient confirmer parce qu'eux ont été révélés et à des prophètes bien précis. Mais la question qu'on se pose,
Si la Torah a été révélée à Moussa, l'Injil à Isa, le Zabour à Sidna Daoud, la Bible a été révélée à qui? Question. La Bible, elle a été révélée à quel prophète? Et aujourd'hui, pour éclairer votre lanterne, sachez que les livres qui ont été révélés, quand on parle de Kutubu Samawi, il y a les livres descendus du ciel. Sachez qu'il n'y a pas que les quatre livres-là qui sont toujours cités généralement. Il y a eu près de 104 livres révélés. 104 livres révélés. Vous pouvez voir ça dans les grands livres donc, historiques donc, musulmans, comme par exemple les Qasasul Anbiya d'Ismaël Ibn Kessir, donc, voilà, etc. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres documents islamiques qui confirment cela, beaucoup de savants. Il y a eu 104 livres donc, révélés. 1. Le fils de Seyyidina Adam, le premier fils c'était Kabil, donc appelé Caïn. Le deuxième c'était Abil, appelé Abel. Le troisième c'était Sisa, appelé Seth. Bien, donc lorsque Caïn a tué son frère Abel, quand Kabil a tué son frère Abil, Allah a donné comme héritier à Seyyidina Adam, alayhi salam, un autre fils qui était Sisa. Et ce Sisa a reçu 50 livres. 50 brochures, 50 volumes, lui seul. Et après lui, des générations après, il y a eu le temps de Enoch, qui a appelé Seyyidina Idris alayhi salam, celui de qui Allah parlait dans la sourate Maryam, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, wa zkuru fil kitabi Idris. Donc, Idris alayhi salam, lui, il a reçu 30. Donc, plus les 50 de 6, hein, ça fait combien? Ça fait déjà 80. Et avant Moussa alayhi salam, au temps d'Ibrahim alayhi salam, lui il a reçu aussi des feuillus, il a eu 10 volumes. Plus les 80, ça fait déjà 90. Ibrahim a eu 10 volumes. Moussa alayhi salam a eu aussi 10 volumes. Mais ça n'a rien à voir avec la Torah. Ça c'était avant la révélation de la Torah. Ibrahim a eu 10. Après lui, Moussa alayhi salam, quand il est venu, il a reçu 10 qui n'ont rien à voir avec la Torah. Donc, Ibrahim, c'est 10 plus les 80, ça fait 90. Les 10 de Moussa encore, ça fait 100. Et vous verrez à la fin de la sourate, Suratul A'la, donc Sabisma Rabbika al-A'la, vous verrez à la fin de la sourate où Allah il vous parle Sohofi Ibrahim wa Moussa, parlant des feuillus d'Abraham et de Moïse, donc d'Ibrahim et de Moussa alayhi salam. Et donc, ça fait 100. Et c'est après que Pharaon ne soit englouti dans la mer, lorsque lui et son peuple ont été donc engloutis par l'eau, c'est après la mort de Pharaon que la Torah a été révélée à Moussa alayhi salam. Et comme Allah le confirme dans la sourate Al-Qasas, donc il dit, c'est après avoir anéanti Pharaon et ses gens, donc son armée, après avoir détruit donc Pharaon et son peuple, c'est après ça que Allah a révélé donc la Torah à Moussa alayhi salam. Et après la Torah, le Zabour à Daoud alayhi salam, après le Zabour, l'Injil à Isa alayhi salam, et le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je réponds ici à la question que je disais tantôt. Maintenant, quand on dit que le Coran n'est pas venu confirmer la Bible, mais plutôt l'évangile, le Zabour et la Torah. Ils vont te dire, mais où est l'évangile aujourd'hui? Mais, c'est bien. Si on te dit, mon frère, voici un livre. Tiens, on te confie le livre. Tu as pris le livre, tu ouvres le livre et tu vois certains passages dedans qui ne te plaisent pas. Tu tires ces passages-là, tu enlèves. Et tu écris d'autres passages, tu introduis dans le livre. Et quand le propriétaire du livre vient et puis il dit, le livre-ci a été falsifié parce que ce n'est pas mon message, ce n'est pas comme ça que je l'avais donné. Et maintenant, toi, tu viens, tu dis, voici, tu dis, le livre-ci a été falsifié, et le vrai que tu m'avais donné. Mais c'est toujours le vrai. Mais seulement le problème, c'est que ce vrai qui est là, c'est le contenu là, le message là que toi tu as changé. Tu as sorti des choses dedans, tu as introduit des choses que tu as ajoutées, hein, donc pour soutenir tes désirs, etc.
Donc, quand vous venez nous poser la question, où est le véritable évangile alors? Mais on te dit qu'il a été falsifié, tu me demandes encore le véritable. Il a été falsifié. Celui qui l'avait révélé à Isa alayhi salam, c'est lui qui dit que cela a été falsifié. Et Isa même qui l'avait reçu avait déjà prophétisé qu'après lui, l'ennemi viendrait semer l'ivraie dans le champ de blé. Et Paul même vient confirmer ça dans beaucoup d'écrits là-bas, dans ses épîtres. Comme dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 20 et suite, Paul même demande d'examiner les Écritures et de retenir ce qui est bon. Mais quand on te dit déjà examine et retiens ce qui est bon, c'est qu'il y a ce qui est mauvais dedans. Si tout était bon, pourquoi on te demande d'examiner alors? C'est qu'il y a un problème.